système d'assistance, Léo. Immatriculation 35-58-15. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Atlas a rencontré un mal fonctionnement de son système d'assistance gravitationnelle. Raison inconnue. L'orbite de l'Atlas autour d'un planétoïde a atteint son apogée. Azimut rétrograde à 34 degrés. Force gravitationnelle à 23.4. Impossible de modifier la vélocité de sortie. L'Atlas sera détruit. Est-ce que tous les autres ont déjà été éjectés? Aucune autre capsule n'a été éjectée. L'Atlas peut soutenir la pression atmosphérique du planétoïde pendant encore 23 minutes et 15 secondes. CB34, j'appelle contrôle AS Atlas, terminé. CB34, contrôle Atlas, confirmé. Urgent! Impossible de communiquer avec l'Atlas. Vous êtes en sécurité dans votre capsule d'urgence. Protocole de survie enclenché. Préparation de la stase d'hibernation en attente des secours. Léo, peux-tu demander au système de l'Atlas si Anne et ma fille sont toujours en vie? Canaux de communication avec l'Atlas hors ligne. Vérification impossible. Arrivée du prochain transport dans 4 ans. 3 semaines. 2 heures et 34 minutes. Connexion au système de semi-conscience opérationnelle. Signal à 83%. Peux-tu forcer Anne à se réveiller? Impossible d'effectuer votre requête. Il est cependant possible qu'Anne et votre fille Marie soient toujours liées à un fragment de votre dernière séance. Probabilité de réveil évaluée à moins de 2%. Active le système. Anne!